Messieurs, dames, ça m'a été rapporté il n'y a pas si longtemps de ça, comme quoi que Stellar Blade et Black Mate Wukong auraient été snobbés pour les Golden Joystick Award 2024. Messieurs, dames, n'ayez crainte. Ce n'est pas grave si ces jeux-là ont été snobbés parce qu'à la fin de la journée, il faut dire la vérité. Les Golden Joystick Award, là, mon chum, c'est rien du tout. C'est un faux événement créé par des journalistes chez PC Gamer, Games Radar, ainsi que d'autres journalistes. Et on sait tous dernièrement, si vous avez été là durant le débat entre un journaliste, influenceur sur des notes, chez SebSol, moi j'ai posé la question, justement, messieurs, dames, qu'est-ce qu'un journaliste de nos jours? Est-ce qu'un journaliste est un influenceur et vice-versa. Donc, ça, c'est la question que j'ai posée ultimement parce qu'à la fin de la journée, messieurs, dames, Sailor Blade et Black Mate Wukong ont été snobés par ces pseudo-journalistes dans les médias américains, ou peu importe. Est-ce qu'il faut faire un drame? Pas du tout. Pas du tout parce que ces mêmes journalistes-là, ils disent souvent n'importe quoi, messieurs, dames, dont une chose un des journalistes chez Games Radar a déjà dit comme quoi que Star Wars Atlas... Était un des meilleurs jeux à monde ouvert depuis Red Dead Redemption 2. Tu comprends, là, je veux dire, on va loin, là, mon chum. Et chez PC Gamer, je veux dire, c'est bourré de gens qui parlent de choses qui n'ont aucun sens, OK? Ça, je peut peux pas le dire ici parce que je vais être démonétisé, tu comprends, hein? surtout en ce moment, on, on est une cible. Mais bref. Il parle de choses qui n'ont aucun lien avec le journalisme des jeux vidéo de nos jours. Donc messieurs dames, n'ayez crainte pour Stellar Blade et Black Myth Wukong. OK Ces jeux-là vont avoir des prix dans des vrais événements. Pas les Golden Joystick Awards, parce qu'à la fin de la journée, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, définitivement, il y a eu du snobisme à leur égard. Surtout, Stellar Blade, qui, à mes yeux, à moi, était un excellent jeu. J'ai adoré ce jeu-là. Et oui, j'ai même donné un test, et je crois que j'ai donné un 9 sur 10, ou un truc du genre. Donc, juste pour vous montrer un peu la liste de leurs jeux, parce que dans leur liste qu'ils ont sorti récemment, les nominés, il y a des jeux qui ne font aucun sens, mais genre... Zéro sens. Vraiment, c'est je. Jeux... Ça, là, quand je vois ça, ça veut dire que quelqu'un les a payés, tu comprends, pour les mettre comme nominés. Parce que t'as jamais entendu parler de ces jeux-là. Et j'ai des preuves même à l'appui. Je veux dire, ils peuvent pas se cacher de moi, tu comprends? Allons regarder ça, messieurs, dames. Donc, sur cette liste-là, messieurs-dames, qui est à travers le site web Polygon on va regarder justement les nominés pour les Golden Joystick Awards. Parmi les nominés, il n'y a pas le jeu de l'année, et même eux, un peu plus loin en haut en anglais, ils mentionnent comme quoi que Black Meat Wukong et même Métaphore Refantasio pourraient peut-être gagner le jeu de l'année ou un truc du genre. Mais encore une fois, je veux dire, regardez, c'est qui les journalistes du jury, en fait, qui, qui vont décerner les prix. C'est Edge que on je sais même pas c'est qui Edge. Games Radar et PC Gamer qui foutent n'importe quoi là-bas, c'est absurde. C'est du sensationnalisme, mais bref, ça c'est une autre histoire. On peut regarder vite fait là, les, les, les différentes catégories. Tu vois, on a le best storytelling, fait que la meilleure histoire euh, en soi. Je veux dire, ce jeu-là, j'en ai aucune foutue idée, c'est quoi? 1000 X résiste. aucune espèce d'idée. Moi, Best Storytelling sincèrement, même si peut-être il n'y en a pas, est-ce qu'elle peut rentrer dans cette catégorie-là? Black Myth Wukong, parce que ça revient à de la mythologie chinoise, une chose qu'on n'avait jamais vue auparavant dans un jeu AAA. Ça, c'est mon avis à moi. Mais encore une fois, vous le voyez, il n'est pas sur la liste. Ouais, on a les, les, les plus gros gens, on va dire, un peu plus connus ou qui ont eu un succès commercial. On retrouve Final Fantasy VII Rebirth. Oui, c'était une bonne histoire et tout, like a dragon infinite wealth. Mais le reste, vous voyez, je veux dire, en tant que jeu commercial, eh bien, c'est c'est pas un franc succès. Après ça, on a les meilleurs jeux multijoueurs. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est Helldivers 2 qui va gagner pour le, le succès qu'il a apporté à PlayStation et les développeurs et le monde entier. Tu vois, les, le nombre de joueurs qui ont joué à ce jeu-là, c'est définitivement Helldivers 2 qui va gagner. Mais encore une fois, regardez, si on a des jeux qu'on ne connaît pas trop ou quoi que ce soit. C'est bien dans un sens, tu vois, c'est des jeux indépendants. Je supporte à fond les jeux indépendants. Mais en même temps, il faut que tu mettes des jeux que les gens ils connaissent un petit peu, un minimum. Et la seule mention de Black Myth Wukong parmi toute la catégorie. Que je... On va regarder toute la catégorie qu'ils ont. Mis Black Mate Wukong dedans, c'est pour le au, au niveau du design euh, graphique, euh, la beauté ou peu importe. Et définitivement, Black Mate Wukong a été une claque graphique incroyable avec le Unreal Engine 5. Il y a Astrobot également qui a été vraiment c'est beau au niveau graphique si vous n'y avez pas joué vraiment. Au niveau de la technologie, euh, du motion et plein d'autres choses, c'était incroyable pour de vrai. Harold Bot aussi, j'y ai joué. C'est un jeu indépendant. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. C'est du stop motion. Tous les personnages ont été faits à la main. C'est vraiment. C'est magnifique, je vous le recommande également. Et pour le reste, ben, vous savez, Hellblade 2, etc. Donc ça, pour cette catégorie-là, ça va être vraiment chaud. Je ne sais pas qui va gagner, mais moi, je pense parmi les candidats à Hellblade 2. As Black Myth Wukong, Astrobot, Harold Dalibut. Malheureusement, s'il euh, n'y avait pas autant de compétition, peut-être qu'il aurait été un grand candidat, mais dans ce cas-ci, euh, ça va être chaud, cette guerre-là, pour le meilleur design graphique. Ensuite de ça, on ne va pas toutes les faire, messieurs-dames, mais vous voyez où est-ce que je vais en venir. C'est qu'on a vu une seule fois Black Myth Wukong. Jusqu'à présent, on n'a pas vu Stellar Blade, mais pas du tout. Et on arrive justement à la catégorie, messieurs-dames, des meilleurs jeux PC et les meilleurs jeux de console. Et qu'est-ce qu'on retrouve? ici deux jeux qui n'ont aucun foutu sens à mon avis. On n'a pas Black Myth Wukong qui est sorti sur PC. Oui, OK, il y a eu des bugs, mais de nos jours, quel jeu n'a pas de bugs Tu comprends ce que je veux dire Mais regardez, on a UFO 50. Si tu sais quoi UFO 50, tabarnak, j'en ai aucune foutue idée. C'est quoi UFO 50, mon chum Même qu'on va aller le regarder en live. C'est quoi UFO 50 Regarde ça, mon chum. Une info 50. Il y a seulement 2583 évaluations au total. Même je vais aller plus loin. On va aller regarder combien de personnes actuellement jouent au jeu, mon chum. On va regarder ça ensemble, live. là. Regardez, je vais vous faire la différence entre les deux écrans. Devinez chez vous à la maison, messieurs, dames, dans les commentaires au peu importe dans ta tête. Dis-moi. Entre les chiffres que tu vois en ce moment, lequel est lequel Lequel est Blackmate Wukong et lequel est le fameux UFO 50. Sans regarder les onglets, s'il vous plaît. Regarde juste les chiffres. D'un côté, le côté droit, on a combien de chiffres? On a 2264 joueurs en ce moment de la vidéo. On a un pic total, ça veut dire le nombre total de joueurs depuis l'existence du jeu même, 4130. Et du côté gauche, messieurs, dames, on a un pic de 2,4 millions de personnes ainsi que 44 000 joueurs en temps réel au moment de la vidéo. Tu comprends ce que je veux dire? Le côté gauche, c'est Black Mate Wukong. D'accord. OK, il faut réfléchir un petit peu à un moment donné. soit logique, là, tu comprends? Mais. Ces pseudo-journalistes-là, au lieu de mettre Black Meet Wukong parmi les jeux PC euh, les meilleurs de l'année, ils ont décidé de mettre un jeu qui a 4000 joueurs. Au total, là. C'est fou, là. Ça, ça, à mes yeux, c'est du snobisme. Ça, c'est se ce foutre de la gueule des gens. Et ça, messieurs, dames, ça revient à... Games Radar ou PC Gamer ou n'importe quel autre site journalistique américain dans ce style-là ne sont pas des vrais journalistes de jeux vidéo. Parce que n'importe qui dans la vie tu veux attribuer un prix. Il faut que tu notes quoi dans la vie? Il faut que tu notes son impact okay, auprès des joueurs. Le succès commercial également, le nombre de votes, le. Les, les, la note ultime du jeu. Ça. Pour moi, si tu veux vraiment t'appeler un journaliste, il faut que tu regardes ces différentes parties-là du jeu. Et ensuite de ça, ben là, tu peux lui donner un trophée. Ton petit trophée de gros den joystick, de je ne sais pas quelle connerie. Là, mais dans ce cas-ci, messieurs, dames, faut 50, il faut quoi là? Ok, il faut quoi là Je suis pour les jeux indépendants, c'est clairement un jeu indépendant, mais il y a des limites. Il y a des limites dans les conneries. Tu vois, après ça, on a quoi On a Animal Well. Oui, je suis d'accord, c'est un autre jeu indépendant. C'est bien d'en mettre, c'est correct. Mais encore une fois, est-ce que c'est mettre des cases, cocher des cases ou est-ce qu'il faut pas Je sais pas, bro. Balatro, il y a eu un grand succès, je l'accepte dans, dans ces choix-là. Frostpunk 2, un moins. Il y a eu moins de succès. Les gens, ils ont chialé énormément sur le jeu, ils sont pas trop d'accord, ils a reçu des mauvaises notes. S'ils veulent le mettre, Mettez-le, mais, mais c'est important de mettre un Blackbeat Wukong. Comment, les gars Après ça, tu mets Tactical Breach Wizard. J'en ai aucune foutue idée. C'est quoi, ce jeu-là, bro C'est quoi, ce jeu-là C'est un jeu genre style téléphone. C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est un truc genre stratégie avec des magiciens. Et encore une fois... C'est quoi leur impact? Tu as eu 5568 personnes qui ont fait une évaluation. Mais encore une fois, si j'irais regarder, je ne vais pas le faire, mais si j'irais regarder Steam DB et je faisais la comparaison avec Black Meat Wukong, eh bien, il n'y a pas de comparaison. Black Meat Wukong a fracassé tous les records, messieurs, dames. Et je pense, si je me rappelle bien, est arrivé deuxième ou troisième parmi les jeux les plus joués en simultané de tous les temps sur Steam. Eh, hey, c'est quelque chose à considérer, messieurs les journalistes. À un moment donné, foutez-vous pas la gueule des gens quand même. C'est c'est insulter, insulter mon intelligence à moi puis aux gens aussi euh, chez vous à la maison. Bref, continuons la, les catégories. Ensuite de ça, c'est là mon deuxième plus gros problème dans leur petite liste des pseudo-journalistes. C'est le jeu de l'année au niveau console. Mais attention, ici, je peux comprendre et je vais vous expliquer pourquoi. On a Astrobot qui est un jeu exclu. PS5, euh, PS4, PlayStation. Bref, vous avez compris. Dragon's Dogma 2 également. Qui ça, est ça, c'est je ne sais même plus si c'est une exclue, mais bref, ils l'ont mis là-dedans. Final Fantasy 7, euh, Rebirth, qui est une exclue PlayStation. Helldivers, qui était PlayStation ainsi que PC. Et euh, après ça, tu as Echoes of Wisdom. Qui est bien sûr, c'est genre un des seuls jeux de Nintendo qu'ils ont sorti qui, était, euh, qui est correct. Moi, je l'aime bien ce jeu-là, mais bref, il y en a d'autres qui l'aiment pas. Ça, ça vous regarde. Mais il y a ce jeu-là que pour moi, ça n'a aucun sens. Encore une fois, Prince of Persia de Lost Crown. Allô? Hein? C'est quoi? Il fallait absolument mettre un jeu Ubisoft là-dedans, là? là? Ça va-tu, bro? Use Stellar Blade. Après ça, je peux comprendre parce qu'il y a deux jeux déjà, même voire trois jeux de PlayStation déjà ici. Puis on sait tous que PlayStation en ce moment, cette année, oui définitivement, ce fut une année PlayStation avec plusieurs exclusivités, mais euh, moi j'aurais retiré carrément Prince of Persia de Lost Crown. j'aurais mis Stellar Blade parce que oui, Stellar Blade a eu un franc succès également, il mérite sa place là-dedans, mais il y a aucune mention. Après ça, dans chaque catégorie, je vous fais je vous donne la preuve. Un contrôle F, t'entends le bruit en ce moment Le bruit ça veut dire il y a rien mon chum, il y a rien, il y a pas de Stellar là-dedans, là il y a pas le nom Stellar dans aucune des catégories sur cette page là. Et ça, c'est grave. Parce que ça, pour moi, à la fin de la journée, c'est du snobisme. Et pourquoi le snobisme? Eh bien, ça vient à cause de la polémique. Il y a eu une polémique pour Black Mint Wukong, il y a eu une polémique pour Stellar Blade, mais à la fin de la journée. Stellar Blade fut un franc succès, même que maintenant les développeurs considéraient sortir un deuxième jeu, une suite. Et à mon humble avis, messieurs, dames, quand ton jeu a un grand succès comme ça et tu veux faire une suite, ben, ça veut dire que tu as réussi à vendre beaucoup ton jeu, tu comprends? Donc, messieurs, dames, ça revient à ceci ultimement. Les médias de nos jours, il ne faut plus les croire, OK? Que ce soit moi, que ce soit les, les YouTubers, les, les sites web, médias français, américains, canadiens, nomme-le comme tu veux. Je l'ai déjà Dit, dans un débat, dans un live. Il faut, messieurs, dames, absolument que vous ayez vous renseigné sur les jeux aujourd'hui. Vous regardiez les bons commentaires ainsi que les commentaires négatifs et ensuite de ça, vous pouvez vous former une opinion sur acheter votre jeu. Mais là, je m'écarte du sujet. Pour ce qui est des Golden Joystick Awards, pour moi, ce n'est pas un vrai événement. Pour moi, leur prix n'a aucune conséquence positive ou négative dans l'industrie des jeux vidéo. Ce ne sont... Que des journalistes qui sont financés par le gouvernement, le financement public ou autre, ou même les, ils gagnent de l'argent à travers les pubs sur leur site Web et d'autres conneries comme ça. C'est comme se donner une petite tape sur l'épaule pour dire Ben, vous voyez, nous aussi, on peut faire euh, des événements euh, comme de Game Awards, machin et tout. C'est juste ça, c'est se flatter, tu comprends C'est s'auto-flatter comme ça et se dire Regardez, on est des bons journalistes. Waouh, on est trop cool. Nous aussi, on peut donner des trucs comme ça. Bro! T'as jamais vu un développeur ou un grand directeur à la Ideo Kojima publier sur Twitter, X, peu importe comment tu le nommes, avec son petit Golden Joystick Award et dire Regardez comment j'ai gagné! Non, parce que tout le monde s'en fout ultimement de votre événement. Parce que tout le monde sait qu'à la fin de la journée, messieurs dames, PC Gamer, Games Radar et l'autre qu'on ne connaît pas, Edge, ben, c'est du foutage de gueule, c'est du sensationnalisme. Et tout ce qui compte, messieurs dames, c'est The Game Awards, qui est le plus grand événement de jeux vidéo dans le monde à chaque année et c'est ce trophée-là qui compte réellement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Acheter *Stellar Blade* c'est un excellent jeu. Acheter *Black Meet Wukong* également. Ne soyez pas comme ces gens-là, les petits journalistes qui euh, voilà, qui mettent des pronoms constamment, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont mis des pronoms là sur, euh, puis ils sont fiers également. Je voulais pas parler de ce c'était pas ça le but. Mais c'est quand même drôle parce que ces mêmes gens-là, tu vois, ils, ils boycottent des choses dans lesquelles ils devraient défendre en temps normal, surtout que Taylor Blade c'est un personnage féminin, elle est fière de son corps, tu vois ce que je veux dire. Mais bref. À la fin de la journée, messieurs dames, n'écoutez pas les médias américains, surtout pas eux, parce que c'est pas mal tous dévendu, et c'est la vérité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peace.